malgré le contexte, on a décidé, nous, de se mettre en danger pour venir vraiment alerter sur cette crise climatique qui n'arrête pas et sur ce gouvernement qui est coupable et complice de tout ce qui se passe par rapport à ça, qui a décidé de ne rien faire pour endiguer la catastrophe et qui continue de faire comme si rien n'était au nom du sacro-saint profit. En fait, je pense que moi, personnellement, j'ai déjà tout essayé. Les manifestations pacifiques, non violentes, tout ça, ça marche pas. Donc là, c'est la désobéissance civile. On bloque parce qu'on pense qu'il y a vraiment quelque chose à dire. Les policiers nous tirent dessus, à moins d'arracher le bras, il n'y a rien à faire, donc il faut tout démonter et ça prend énormément de temps. Le gouvernement ne font rien, donc voilà, on essaie de faire passer le message comme quoi c'est très urgent et qu'on est prêt à se mettre par terre pour le faire. On compte rester 3 jours, on compte organiser des débats, des prises de parole, des assemblées populaires pour vraiment permettre aux gens de nous rejoindre et de se rassembler pour discuter de ces sujets.